Clem. Écoute-moi. Non, attends. Clem. Cause my heart bleeds. Du tout, chérie. Excuse-moi, j'ai fait un faux mouvement, mais faut pas que tu t'inquiètes. T'es même pas en colère? Je t'aime. Passe une bonne journée, hein? À ce soir. À ce soir. Bon, amuse-toi bien, ma chérie. Clem. T'as vu Alizée? Très peu. Elle est rentrée hier. Elle est pas bien. Elle t'a pas parlé? Non. Mais j'ai découvert ce qu'elle me cache. Je suis tellement désolée. Tu savais? Bon, je comprends pourquoi tu m'as pas dit. Hein. C'est ta meilleure amie, c'est normal. Elle va penser que je voudrais jamais partir avec elle. Partir? Bah, en Bretagne pour sa mutation. Et franchement, elle a raison de douter. Je vais pas quitter Chinoville. D'abord, il y a mon métier de principal que j'adore. Pablo a tous ses copains ici. Et puis, il y a toi et Valentin. J'aurai l'impression de vous lâcher. C'est pas possible, non, non. Mais en même temps, je me dis que ça pourrait être une solution de partir. Tu m'en voudrais pas si je vous quittais? Non, pas du tout. Moi, je t'en voudrais jamais de rien, de toute façon. Mais toi, t'es sûr que c'est ce que tu veux? Je sais pas. Je vais juste sauver ma famille, en fait. Adrien. Tu veux qu'on en parle? Ok. Tu dors comment en ce moment? Mal. T'inquiète pas, ça va passer. C'était déjà arrivé d'avoir l'impression que tout au monde s'effondre et que tu peux rien y faire. On parlait combien qu'on va venir pêcher une 20 balles? Wesh, tranquille? Tranquille. 20 balles. Balles. Vas-y, tiens. Pas plus. Ça fait chier tout ça, vraiment. Vas-y, tranquille, y'a personne qui nous calcule là. Vous trafiquez quoi là tous les deux? C'est rien, laisse-y. Non, y'a pas rien. Victoire, s'il te plaît, laisse-nous. Vas-y, en plus, t'es trop petit. Ça va mal se terminer cette histoire, les gars. Vous êtes grillés des kilomètres. Je te dis que ce soir, l'histoire, elle est réglée. On rembourse Tony et vas-y, bois ça, ciao, c'est mieux. T'es sûr de toi là? Eh hey gros, est-ce que je t'ai déjà mis dans la merde? Sérieux? C'est quoi vraiment? Je préfère pas répondre à cette question.
Bonjour maître. Bonjour. Alors, les préparatifs de départ se passent bien ? Bon, ben, je dirais pas ça comme ça, mais ça va. Quoi, un problème administratif ? Non, madame. Si c'était que ça. Ça ira, merci. Clem ? Tu veux bien qu'on aille parler dehors ? Je comprends pourquoi tu es une si bonne avocate. Mentir, c'est tellement facile pour toi. Arrête, je vais tout expliquer. Mais qu'est-ce que tu veux m'expliquer ? Y'a rien à comprendre. Moi, si je suis là, c'est pour Adrienne. Il sait pour la Bretagne. Quoi ? Oui, et il envisage même de te suivre. Alors, je sais pas, moi, même si, s'il te reste encore un tout petit peu de respect pour lui, il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui dises la vérité, parce qu'il mérite pas ça. Hé, hey, Clem, qu'est-ce qu'il y a ? Ça va, lâche-moi. Tension basse, pouls rapide. Faut que tu te ménages, Clem, hein. Que t'évites les émotions fortes. Oui, bah écoute, j'essaye, mais c'est pas tous les jours facile. Je vous laisse. Alizé. Ouais. Il faut qu'on s'occupe des dossiers meilleurs. Ok. Tu savais, toi, qu'ils étaient ensemble, Baptiste et Alizé ? Non. Ce que je peux te dire, c'est que... ils étaient sans arrêt à l'hôpital avec toi. Tu peux peut-être leur donner une chance de s'expliquer. Ouais, bah j'ai pas que ça à faire, là. Valentin, il est comme une grenade dégoupillée. Et Emma, c'est super inquiétant. Elle dit toujours rien ? Non. Bon. Amène-la à l'hôpital, je vais demander à l'orthophoniste de la voir en urgence. Merci. Putain, et dis-moi qu'on se débarrasse de tout ça, mais... Merci en tout cas, mon pote. Hein. Je m'avoir aidé sur le coup. C'est normal. Wesh les gars! Alors? C'est comment? Oh. Mmh. C'est bien ça! Mmh. Comme quoi? Ça paye! Donc c'est bon? Fin de l'histoire? Comment ça, fin de l'histoire? Ah bah ouais, c'est la fin là! The end! Bye bye! Hasta luego! Tout ce que vous voulez! Il est bon, je te jure! Je crois que vous avez pas bien compris en fait, les gars là! C'est vous deux mes dealers à Saint-Ex là! T'es dealer. Si on veut pas. C'est quand mon jugement déjà ? C'est la semaine prochaine, c'est ça Nico ? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, non, parce que la juge, elle aime bien quand on est au coopératif, tout ça, on donne des noms, tout. Exactement. C'est carré ? Tiens. Vas-y, avancez là. L'orthophoniste a confirmé le bilan de l'ORL. Emma a aucun problème de santé. Elle peut tout à fait parler. Mais alors pourquoi elle le fait pas ? Elle doit faire un blocage. Ok. Bon, pédopsie, c'est ça ? Merci. Je t'en prie. Alors, ma chérie. Bon, j'ai une bonne nouvelle, tu n'as rien de grave. Mais on va quand même aller voir un docteur spécial pour que il t'aide à parler. Parce qu'on va pas te laisser comme ça. D'accord. Clem. Oh putain. Arrête-toi. Arrête-toi, s'il te plaît. Arrête-toi. J'ai pas le temps là. J'en ai pour 5 minutes. Ok ? Je suis désolé. Cette histoire, on la voulait pas. Ça nous est tombé dessus. Je te promets qu'on la voulait pas. Et la nuit chez toi ? Tu voulais pas non plus ? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Baptiste ? On formait une famille, Valentin t'adorait. Mais j'ai appris que récemment, qu'il nous avait grillé. Je comprends maintenant pourquoi il voulait plus me parler. Mon fils veut plus te voir. Tu tapes ma meilleure pote. Mais putain, mais tu crois que c'était simple pour moi ? Je pensais t'avoir perdu, Clem, tu comprends ça ? Ouais, je comprends. Mais je vais pas non plus m'excuser d'être venue. Bonne journée. Jenny ? Jenny, c'est ma pause. Tu dois être contente, toi. Ta mission, elle est bientôt finie, là. Ah bah oui, je suis ravie, je vais me retrouver sans emploi. C'est génial.
Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, je sais que tu me détestes, mais j'ai jamais voulu te faire de mal. T'es mon ami. Visiblement, les choses ont un peu changé. Je peux pas te laisser dire ça. Tu sais, moi, j'ai l'impression que vous m'avez juste rayé de la carte. Pas du tout. Je me pardonnerai jamais de t'avoir blessé. Mais j'ai jamais effacé de ma vie. Et je voulais pas que t'en doutes. Ma chère Clem, j'ai tant de choses à te dire. Les médecins me disent que tu nous entends peut-être, alors je viens tous les jours te parler. Il y a tellement de mots que j'arrive pas à prononcer. J'ai décidé de les écrire, pour ne pas les oublier, mais aussi avec l'espoir un peu fou qu'un jour tu les liras. Valentin est courageux. Tu le verrais avec Emma, tu serais si fière de lui. C'est tellement dur pour eux. Aujourd'hui, j'ai passé la journée avec Emma et Pablo. Elles te ressemblent tellement que parfois j'avais l'impression de te voir dans ses sourires. Je le voulais, ce bébé, tu sais. Je lui parlais de toi et de Caro. Je m'étais inventé cette histoire que tu te réveillerais avec sa venue au monde. J'ai quelque chose à te dire, Clem. Mais pour la première fois depuis que je tiens ce journal, j'ose pas. Je suis tombée amoureuse de Baptiste. Mais je te jure, Clem, on n'a pas fait exprès. C'est fini, mais pourquoi? Parce que j'ai une histoire avec quelqu'un d'autre. Quoi? Mais je le savais. Et c'est qui? Écoute, ça n'a pas d'importance de savoir qui c'est. Bah oui, c'est important. C'est qui? Hé, hey, c'est qui? C'est Baptiste. Ces dernières années, moi, j'étais aussi malheureux, mais j'ai fait quelque chose, j'ai essayé. T'as fait quoi? T'as abandonné, toi? Non, c'est faux, moi aussi, j'ai essayé. Mais la vérité, c'est qu'on n'y arrivait plus. Et c'est une raison pour me tromper. Moi, je n'étais jamais, tu m'entends, jamais trompé. Je suis désolée. Et c'est tout. Tu fous en l'air notre mariage et ciao. Qu'est-ce qu'on va lui dire à Pablo? Écoute, peut-être que la Bretagne, c'est pas une mauvaise idée. Un peu de distance, ça nous ferait du bien. Tu ne m'éprendras pas, mon fils. Tu m'entends? Jamais. Alors, toutes celles-ci, tu sais comment elles s'appellent? Alors, ce sont des succulentes. Et les succulentes, ça fait penser à qui? À moi! Oh! Merci ma chérie, ta taille est assez succulente, je sais. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas finir de rempoter toute seule après ta rose? D'accord. Merci mon petit chaton. Elle est tellement mignonne. Ah ça. Elle est tellement silencieuse. Ouais, c'est pas facile dans ce qu'elle traverse. Où tu lui laisses du temps? Bon, et de ton côté, toujours aucun nouveau souvenir? Rien. J'arrête pas d'y penser, mais... Si seulement j'avais pas conduit. Arrête, Clem. Mais Inès, il faut se rendre à l'évidence.
dans le dossier que tu m'as montré, et il n'est pas question d'un motard. Oui, comme ils parlent pas non plus d'un témoin. Ils n'ont pas parlé de Gabriel. Leur dossier est vide. Donc si tu as vu un motard, c'est qu'il y avait un motard. Mais les pompiers, ils sont arrivés en premier, non? Et ils ont rien, eux? Ouais, mais je sais pas, parce que j'ai pas eu accès au rapport des pompiers. Juste celui des flics. Pourquoi? Parce que le capitaine de l'époque était un gros con, il a pas voulu me le filer. Ok, mais maintenant que c'est un nouveau, et que Mémé a rejoint la brigade, ça se tente, non? Je vais encore me faire gronder par le docteur, moi, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Valentin ? Ouais. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ouais. Je peux te parler deux secondes ? Ouais. Izia, c'est qui pour toi ? Izia, c'est une copine ? Oui, c'est une bonne copine. Non ? C'est une amie. Enfin, je l'aime bien comme une amie, quoi. Bon. Eh ben, écoute, si tu l'aimes, moi aussi, j'ai envie de la rencontrer. Tu voudrais pas l'inviter à dîner un de ces soirs? À dîner? Oui, Valentin, c'est normal que j'ai envie de connaître tes amis, tu sais, c'est pas... Tu connais Joris, non? Bon, tu veux bien me la présenter? Ok, enfin, je préfère te dire qu'elle est hyper timide, quand même. Bon, t'inquiète pas, je suis sûre qu'on arrivera à la mettre à l'aise. Non, bon, je compte sur toi. Il y a l'air un peu là, ça. Fou. Vas-y. Bien. Et ensuite, tu peux le faire avec les doigts. Regarde ça. Lisa m'a demandé la garde de Pablo. Elle veut partir avec lui. C'est sûrement provisoire. Je sais pas, elle doit se dire que c'est mieux comme ça et... Mieux comme ça? La fausse couche a tué notre mariage, ok. On aurait dû parler avant, et ok. Mais là, vu comme ça se passe... Jamais, jamais je lui laisse la garde de Pablo, jamais. Bon, c'est vrai que tu fais des progrès, mais maintenant, il va falloir passer à la vitesse supérieure, Clem. Tu sais ce qui serait bien ? Mais non. Ce serait que tu cours. Mais alors, pas dans l'objectif de massacrer mon matériel. Non. Avec un objectif concret. Les 10 km de Chénouville ? Oui, mais t'es marrant, toi. Tu veux ma mort, en fait. Non, bien au contraire. Et tu verras ce que je veux dire quand tu franchiras la ligne d'arrivée. Donc demain matin, en tenue, au parc. J'ai pas l'impression d'avoir le choix. T'as pas le choix. T'es fou. Ok. Allez, à demain. Merci, à demain. On en est mal, là. Ça s'arrêtera jamais et moi, je peux plus garder ça chez moi. Vas-y, cette fois-ci, je le garde chez moi si tu veux. Mais de toute façon, j'ai une solution pour tout liquider très rapidement. C'est quoi ton idée, Johnny? Bah en fait, j'ai un pote, il est archi friqué. Et ses parents, ils sont pas là. Donc on fait une fête, on invite tout le monde en disant que c'est mon anniversaire. Gros, t'imagines, que des bourges. Ça va être trop bien. Joris, ton anniversaire, c'est il y a 3 mois. C'est n'importe quoi. Vas-y, on s'en fout, ça va passer crème. Vas-y, de toute façon, je lance les invites. Et sinon, c'est à quelle heure chez ta mère ce soir? Déjà, t'es sûr que ça te dérange pas le dîner? Et toi? Bah, non, enfin, moi c'est surtout pour toi, quoi. Ah non, mais moi aussi, hein. Enfin, pareil, quoi. Ok, bah, on dit 7h30 alors. Ok, cool. Super. Et là, tu mets ton pyjama, d'accord? D'accord.
que tu fais? Qu'est-ce qui te prend? Non, arrête, c'est des recherches que j'ai faites. Oui, comme si j'allais te croire. C'est fini, Alizé. Je te fais plus confiance. Et j'ai pas l'intention de t'empêcher. Ah ouais? Écoute, le mieux, c'est que tu t'en ailles. Va les rejoindre. Si tu veux partir en Bretagne, vas-y. Mais sans Pablo. Tu te rends pas compte qu'en faisant ça, c'est à Pablo que tu fais le plus de mal. Tu m'entends? C'est toi qui oses me dire un truc pareil. Il est trop joli. Moi aussi, j'adore les bracelets brésiliens. Et t'oublieras pas de faire un vœu quand il s'attachera. Bon, on débarrasse. Et toi, t'aides pas? Ah, si, si, bien sûr. Et Isia, tu m'as pas dit, tes parents, ils font quoi dans la vie? Bah mon père déjà, je sais pas. Parce qu'en fait, il est parti, ça fait longtemps. Oh, je suis désolée. Ah mais non, mais c'est pas grave. Hein. Parce que ma mère, par contre, elle a un travail génial. Elle dirige une boîte de pub. Ah, c'est chouette. Ouais. Mais en même temps, elle est super cool. Hein. Elle est toujours là pour m'aider, pour me rassurer, pour les devoirs, tout ça. Bon, bah c'est cool, t'as de la chance. Ouais. Bon, c'est bon? T'as fini ton interrogatoire, on peut y aller? Oui. Eh bien, j'étais ravie, Isia. Moi aussi. Merci beaucoup, hein. Au revoir, madame. Salut, Emma. Bon. On en pense quoi? On l'aime bien ou on a un doute? T'as raison. On l'aime bien, mais on a un doute. Cœur. Ça va, elle a pas été trop relou, ma mère? Non, non, ça va, t'inquiète. T'as une famille sympa, tu sais. Merci. Mais c'est quoi le dos avec ta mère, du coup? Bah, tu sais, c'est les parents, c'est des relous, puis voilà. Non, mais c'est bon, on va le tuer fort, ça. Bon. Ouais. Salut. Salut. Ouais. Ouais. Attends, tiens. Maman, il y a l'anniversaire de Jury samedi soir. Tu veux bien que j'aille ou pas? Il y aura Isia? Je sais pas. Ça finit à quelle heure? Tu me dis une heure et je serai là. Bon. Écoute, je réfléchis et je te dis, d'accord? Merci beaucoup. Ah, quand même. Bon, alors. Nouvelle mission intérim, 9h, Jean-Paul Lyon, standardiste. Ok. Confirmé. Désolée de te déranger, Clémentine, mais j'ai besoin de voir les enfants, d'avoir des nouvelles. Est-ce qu'ils vont bien? Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Écoute, tu m'as oubliée, Clémentine. J'ai été là pendant 6 ans. Et maintenant que vous avez déménagé, je ne les ai pas vus une seule fois. Oui, bien sûr, Marie-France, je suis désolée. Vraiment, tout est allé tellement vite, on va rattraper ça, d'accord? Est-ce qu'on peut venir dîner chez vous samedi? Oui, oui, bien sûr. Et je suis désolée, Emma dort, mais je vais aller chercher Valentin, d'accord? Entrez. Bon,
Passe une bonne journée, Marie. Oui. Salut. Salut. Tu sais qu'elle a fait les démarches pour scolariser Pablo en Bretagne? Sans m'en parler. Mais là, va falloir trouver un terrain d'entente. Hein. Vous pouvez pas continuer à vous déchirer comme ça. Bah, le terrain d'entente, il est déjà trouvé. C'est le tribunal. Et j'ai cherché un avocat aussi, donc... Quoi? Mais enfin... Bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Elle m'a dit qu'il fallait que j'aie demandé à des proches des lettres pour dire qu'en gros, c'est moi qui m'en occupe de Pablo, qu'Alizé n'est jamais à la maison, et voilà, 3-4 lignes pour dire que je suis un bon père. La vérité, Clem. Oui. Mais tu sais, je sais pas si le témoignage d'une fille qui sort de 6 ans de coma va beaucoup compter. Mais pardon? Rien qu'à ton réveil, elle était où? Elle était là? Et puis, elle m'a trompé avec ton mec, elle, ta meilleure amie. Hé, arrête, tu te calmes. Ok, je me calme. Mais on parle de mon fils. Je ne le perdrai jamais, tu m'entends? Même s'il faut que je me casse en Espagne pour ça. Hein? Mais tu délires, là. Tu dis n'importe quoi. Bon, écoute, je te promets que je vais réfléchir à cette histoire de lettres, ok? Ok. Mais toi, en attendant, faut que tu redescendes. Vraiment. Ok, ok, okay. Faut que j'y aille. Fais un effort pour Pablo. Ok. Ça fait une heure que maman couche chez moi. Pourquoi elle descend pas? Parce qu'elle est contente de la retrouver, ça lui fait plaisir. Elle veut pas venir jouer avec nous? C'est sympa aussi, non? Je cherchais du jus de pomme. Il doit rentrer à quelle heure? J'ai dit minuit. C'est pas très sympa, c'est l'anniversaire de Joris. Mais en même temps, il m'a paru bizarre tout à l'heure. Il avait l'air très tendu. Tu m'étonnes. Bah quoi? Valentin est déjà allé à l'anniversaire de Joris, c'était il y a quelques mois. C'est pas vrai. Oh, écoute, c'est rien. Il a peut-être juste envie de passer un peu de temps avec son ami, c'est tout. Ouais. Ou avec Isia. Alors, Isia, on l'a rencontrée avec Marie-France et elle est un peu particulière, cette fille. Hein. C'est-à-dire? On sait, de sources sûres, qu'elle consomme du shit. Vous pouvez me garder les mains? Ouais. Où est Clémentine? Je lui ai dit pour Isia. Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est sa mère, elle doit savoir. Et moi? Mais je suis quoi, moi, maintenant? Je sais pas, mais t'as pas le droit de débarquer comme ça. Ah, parce que toi, t'as le droit de me mentir. C'est pas du tout l'anniversaire de Joris. Regarde-moi ça, ça pue le shit, mais à des kilomètres. Eh, mais vous avez pas besoin de vous mettre dans ces états, madame. Tout est sous contrôle. Ouais, c'est y'a ça, ouais. Y'a le feu. On a voulu faire cuire un space cake au barbecue. Oh, putain. Mais bougez-vous, là, qu'est-ce que vous foutez? Mais bougez-vous, bordel. Mais qu'est-ce que tu fous, là, toi? Ça bouge. Allô, voilà, Seigneur Valentin, appelle les pompiers, je sais pas, fais quelque chose là, dépêche-toi. Personne ne sait où il y a un tuyau d'arrosage. Allez, allez, la fête est finie là. Arrose en général. Voilà, voilà, voilà. Rabat en haut, et après tu passes au barbecue. Ok, un petit coup, arrose un petit coup général. Ok. Juste là au-dessus là. Voilà. Ok, c'est bon, on arrête.
Ouais, c'est bien, Boissier. Tu replies le matos ? Eh ben, heureusement que t'étais là. Et toi, surtout. Et Valentin, ça va ? Bon, tous les deux, vous venez me voir ? Vous savez que normalement, là, je devrais appeler la police. D'autant que là, pour vous deux, c'est la deuxième fois en peu de temps qu'on vous retrouve avec du shit. Quoi ? Si vous voulez mon avis, votre petit frère et sa copine filent un mauvais coton. C'est pas mon petit frère, c'est mon fils. Ah bon ? Ben, autant pour moi. Non mais, attends, c'est quoi cette histoire ? On n'a pas fumé. Ok ? Et vous pouvez même nous faire des tests, si vous voulez. Comme si on avait que ça à faire. Non mais vous vous rendez compte que là, on vient réparer vos conneries, et on n'est pas là pour aider des gens qui en ont vraiment besoin ? Bon, qu'est-ce qui se passe, là ? Rien. C'est juste une soirée qui a mal tourné. Et tu y es pour rien ? Tu comprends pas, c'est tout. Mais Valentin, pour que je comprenne, il faudrait que tu m'expliques. Maman ? Oh, ça va, Clem ? Ça va, ça va. Ça fatigue, c'est tout, c'est rien. Eh ben, on va quand même à la caserne prendre votre pension. Valentin, tu viens ? Je t'appelle demain, d'accord ? Allez, les gars, on replie. C'est tout doux, papa. Ok, mais tu m'attends en banc là-bas. Hein. Je vais arriver le premier. Oui. Tu dois être Pablo. T'es qui, toi ? Je suis l'avocate de ton papa. T'es avocat pour la partie adverse ? Pour la... Non, je crois pas. Ma maman dit toujours qu'elle adore ratatiner la partie adverse. Ah. Donc toi, ça va ? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va, merci. Merci d'être venu, maître Écrivaud. Je vous en prie. Pablo, tu veux bien faire un tour pendant que je lui parle ? Allez. Va pas trop loin, hein ? Vous avez un enfant vraiment super. Merci. C'est pour lui que je me bats. Alors il va falloir un dossier solide. Parce que votre femme est une avocate brillante et elle a une réputation terrible. Je sais. Mais vous allez réussir à ce que je garde mon fils. On va tout faire pour. Mais franchement, c'est pas gagné. Vous avez les lettres que je vous ai demandées ? Non, pas encore. C'est important. Sans ces lettres, on n'a aucune chance. Je sais. Il est midi, Valentin. Faut se lever maintenant. Allez, bonhomme. Et puis redresse-toi, parce que je voudrais te parler. Il faut que tu me dises ce qui se passe, maintenant. Je sais que j'ai raté 6 ans de ta vie, mais là, les mauvais résultats, les cicatrices sur ton bras, le commissariat, le faux anniversaire de Joris, la drogue... Ça colle pas avec le Valentin que je connais. Faut croire qu'il a changé, alors. Non. Faut surtout croire qu'il a pris trop cher, Valentin, dans sa vie. Beaucoup trop cher. Écoute, chérie, je peux pas imaginer combien t'as dû te sentir seule pour affronter tout ça. Mais je suis là, maintenant. Il faut que tu me parles. Laisse tomber. Vraiment, tu t'inquiètes pour rien et de toute façon, je me débrouille. Non, Valentin, je laisse pas tomber, non. Je suis ta maman, c'est ça le concept, en fait, tu vois. Je t'aime et je veux être là pour toi. Alors maintenant, tu me parles. Bon, tu me laisses pas le choix. Isia, Joris, tu les vois plus, c'est fini. Mais tu peux pas faire ça. On parle de drogue, Valentin. C'est grave. Mais Isia, elle fume même pas. Mais tu te fous de moi, quoi, je l'ai vu fumer. Ouais, des clopes. Pas du shit. Mais tu crois vraiment que sans m'empêchant de voir mes amis, tu vas compenser les 6 années où t'as pas été là ? Mais tu veux que je fasse quoi, Valentin ? Que je te regarde te noyer comme ça sans rien dire, sans rien faire ? Tu sais quoi ? Je crois comprendre, mais tu sais vraiment rien, en fait. Tu vas où ? Dans la salle de bain, j'ai pas le droit, ça.
qu'est-ce que... Tu parles pas à toi, mais tu comprends tout. J'ai pas de rendez-vous. Tu veux qu'on aille? Non. J'ai un conseil à vous demander, Maître Berthier. C'est au sujet de... d'un contentieux entre deux amis d'enfance. Je vois. Et quelle est la nature du conflit? Elles se sont disputées très fort à cause d'un homme, alors qu'elles s'étaient jurées que ça n'arriverait jamais. En même temps, si une des deux amies a blessé l'autre par son égoïsme, c'est normal. Sauf que... elle a pas voulu faire de mal. Elle est juste tombée amoureuse. J'ai compris que ça servait à rien de chercher un coupable. Il y en a pas. Je te jure que si j'avais pu faire autrement... Je sais. Merci. Papa, papa, c'est tata dodo. Attends. Muchas gracias, señor Pablito. Vous êtes parfait, hein? Claro que si. Allô, Clem. Adriane. Je suis vraiment désolée, mais je peux pas écrire la lettre que tu me demandes. Mais pourquoi? Sans cette lettre, Clem, je perds mon fils. Mais il faut que vous vous parliez avec Alizé. Mais c'est trop tard pour ça. Bon, ciao. Attention, on peut attirer le feu de l'alarme. Je vais partir. Seule. T'emmènes Pablo? J'espère, ouais. Il faut que je parle à Adrienne, j'ai besoin de me reconstruire avec mon fils. Et nous? Donc il faut qu'on se laisse un peu de temps. Tu crois pas? Ouais, bien sûr, t'as raison. Tu vas tellement me manquer. Tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Alors fais-moi confiance et laisse-moi un peu de temps. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit que ça te ferait peut-être plaisir que je vienne te chercher après une nuit de garde. Mm-hmm. Et puis t'aurais fait. Mm-hmm. Ouais. Ça va?
Allez. Allez. Non, je ne vois plus. Je ne réponds pas de plus. C'est dans ta tête, ça. Allez. On peut toujours trouver de nouvelles ressources. Oh non. Ça va? Adrienne, si t'es en train de faire la grosse, grosse connerie dont tu m'as parlé, appelle-moi. La gare, combien de temps? Bonne allure, un petit quart d'heure. Par là? Ouais. Ok. Je fais pas un pas de plus, c'est ça? Merci beaucoup. Au revoir. On va où, papa? On fait un petit voyage à Paris et après, on prend l'avion pour l'Espagne. Sans maman? Oui, Pablito. Je suis désolé, mais c'est sans maman. On y va? D'accord. Allez. J'amène Pablo. Écoute, je comprends que tu sois en colère. Mais là, c'est vraiment trop grave ce que t'es en train de faire. Adrien, reste ici. Tu peux pas partir comme ça. Les gens ont besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il est hors des questions que je perds mon fils. Tu m'entends? Clem, je peux pas vivre sans lui. Je sais. Pablo? Qu'est-ce qu'il y a, Pablo? Il faut que tu respires. Attends. Allez, respire. Écoute, tiens, regarde. Respire. On va mettre ça sur le visage, d'accord? Et tu vas respirer dedans. Allez. Inspire. 1, 2, 3, j'inspire. 4, 5, 6, j'expire. Très bien, encore. 1, 2, 3. 4, 5, 6. C'est bien, continue. C'est bien, chéri. Ouais, super. T'es grand, mon chéri. Ça va mieux? Oui, papa, il faut pas que tu t'inquiètes. C'est juste que j'avais peur sans maman. Pablito, jamais je te séparerai de maman. Il faut vraiment que vous parliez avec Alice. Il n'y a plus le choix. Je vais le faire. Ouais. Ah, t'as pu venir. C'est cool. Ça va être chaud pour se voir, hein. Ma mère flippe grave avec l'histoire de la fête des Juristes. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Ma petite Zaza, tu me manques beaucoup et je pense très fort à toi, mais ma décision est prise. Cette année, moi et Biza, c'est incroyable et ma vie est à ses côtés. Je sais que tu vas très bien t'en sortir. J'ai confiance en toi. Je t'ai mis un chèque de 200 euros pour la nourriture. Je t'embrasse, maman. Toi, ta mère, au moins, s'inquiète pour toi. Moi, je compte pour personne. Izia, tu comptes... Enfin, ta mère, ma mère, on s'en fout. C'est rien, ok? Izia. Pour moi, tu comptes, ok? Je ne reviens pas de vous quitter comme ça. Écoute. Tout ce qui compte pour moi, c'est que tu sois heureuse. Alors concentre-toi là-dessus, d'accord? Tu vas tellement me manquer. Toi aussi. Mais attends-toi à me voir toutes les vacances. Hein. Tu vas pas te débarrasser de moi comme ça. Tant mieux, parce que je sais pas vivre sans vous. Moi, je... Papa t'appellera tous les jours, et puis tu reviens
très bientôt, ok? Là, t'as la console, tes livres au cas où tu es tenu pendant le trajet. Te quiero, papa. Yo también te quiero, Pablo. T'appelles Marion? Si. Je crois qu'on fait le mieux pour notre petit bonhomme, non? Je crois aussi. Merci. Alizé. Ouais. T'as été le plus bel amour de ma vie. Toi aussi. Vraiment. Mais c'est avec toi que j'ai appris à être heureuse, hein? Izia Gassem, vos parents, je vais les voir un jour ou je suis pas assez bien pour une directrice d'agence de communication? J'entends rien, je vais les voir, oui ou non? Mais laissez-la tranquille, vous voyez bien qu'elle veut pas vous répondre, non? Brimond, venez ici tout de suite! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah ok, vous voulez jouer les rebelles. On va aller voir la CPE tous les deux. Ne me touche pas! Alors ça va vous coûter cher, vous êtes bon pour le conseil de discipline! Brimond! Ouais, toi aussi. Va pas trop vite. Hein. Ça va et toi? Ça va. C'est pas pour aujourd'hui? Ouais, nouvelle journée. Are you really want to dance for me? Are you really want to hide from me? Just to really wanna know. Are you really want to love me? Are you really want to hide from me? Are you really want to know? I just wanna be fire. I just wanna be desire. Just to really wanna know. Are you really wanna love for me? I really want to have for me. I really wanna know. I really want to love for me. I really want to have for me. I really wanna know. I just wanna be the fire. I just wanna be the desire. Are you really want to hide from me? Just to really wanna know.